Alors, comment réaliser un spectre avec le Genway 7205? Donc, on a préparé deux solutions, une solution au témoin et une solution de bleu de méthylène. Donc, pour réaliser le spectre, il suffit de cliquer sur spectre. On va choisir les longueurs d'onde de départ et d'arrivée. Donc, on va commencer à 300 nanomètres pour faire un spectre large et on va terminer à 800 nanomètres par exemple, si on n'a aucune idée de la longueur d'onde maximale d'absorbance. Donc on choisit donc notre point de départ, notre point d'arrivée, on sélectionne ensuite suivant et il vous propose de réaliser le blanc. Donc on va prendre le blanc, voilà, on va homogénéiser le blanc, on vérifie que la cuve est bien propre et on prend garde à placer la cuve de sorte que le faisceau traverse la cuve comme il faut. Donc là, le spectro va choisir toutes les longueurs d'onde et va considérer le blanc. Et il nous propose ensuite de faire la lecture. Donc, on choisit donc la cuve appropriée. On retourne de façon à bien homogénéiser. On vérifie que la cuve est bien propre, on la place correctement selon le faisceau et on clique sur lecture. Donc le spectro va nous proposer un spectre. Sur ce spectre, eh bien, vous avez la possibilité donc de choisir donc un curseur, donc voilà, et en cliquant sur ce bouton-là, vous allez avoir la possibilité de faire varier le curseur de façon à le placer au niveau du pic et il va vous proposer ensuite ici de retenir la mesure. Ici on voit que vous avez un pic à 656 nanomètres pour une absorbance de 1,53. Voilà, donc on peut ainsi par exemple choisir d'autres pics, par exemple cette valeur-là. Et vous pouvez de nouveau prendre une mesure. Et on peut ainsi retrouver la collection des mesures dans ce tableau où vous avez un pic à 656 et un pic à 621 nanomètres. Voilà donc comment réaliser un spectre avec le Genway 7205.